Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver ici, dans un contexte un peu particulier. Alors, c'est une première pour moi. Et pour tout vous dire, au départ, j'étais pas très très motivé pour faire un live. Mais comme vous étiez nombreux autour de moi à me le demander, alors, du coup, j'ai dit oui. Voilà. Et quand je vois aussi tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux et autres, je vois une certaine sorte de solidarité générale qui est en train de s'installer. Et je me suis dit, si à mon niveau je pouvais aussi contribuer d'une certaine manière, alors c'est avec grand plaisir. Voilà. Et j'en profite donc du coup pour saluer tous les amis artistes de toutes sortes. Voilà, continuer en tout cas comme ça. Perso, ça me fait un bien fou. Alors, vous l'avez compris, cette journée est un peu particulière puisque c'est aussi l'anniversaire de ma mère. Elle fête ses 70 ans. Eh oui, on peut le dire, 70, bravo en tout cas. Je sais que c'est aussi l'anniversaire de Lali. Et bon, on fera un petit truc à la fin du concert pour fêter ça. Voilà. En attendant, je crois que vous avez tous compris. Je suis en train de voir vous vous connecter petit à petit. En attendant, vous avez compris, c'est l'heure du pré-apéritif. Alors, on va commencer par trinquer ensemble. Alors moi, j'ai tout préparé, les cacahuètes, les olives, le saucisson, tout ce qu'il faut, et bien entendu, un petit verre. J'espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés et que vous avez aussi un verre. Alors, on va trinquer, ça va nous mettre dans l'ambiance. Donc, comme on dit, Ageshe Gunkla, alors ça veut dire à notre santé en hongrois. Et ça, je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Allez, Ageshe Gunkla! Fameux. Alors voilà, bienvenue chez moi, dans mon salon. Et pour l'occasion, installer mon pédalier, le micro bien sûr. Alors je pense que à ce niveau-là vous allez sans doute mieux m'entendre. Et ouais, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que j'étais pas forcément équipé pour ce genre de direct, donc j'espère qu'au niveau image et son ça va suivre. Voilà. J'ai bien entendu ma guitare. Et mon loupeur pour m'accompagner. Donc je vais essayer dans la mesure du possible d'aller voir un peu vos messages. Alors je vois que ça se connecte petit à petit. Je vois qu'il y a Fred. Salut Fred, yes. Mr. James. Oh yes, ok, c'est cool. Alors moi j'ai pas forcément le retour image. Je vais voir ce qui se passe. Visiblement, ça passe. Alors, bon, je vous propose de commencer avec ce morceau que j'ai connu et découvert pour la première fois, alors qu'on habitait à l'époque en Tunisie avec mes parents. Donc, moi, j'avais quoi? J'avais 7 ans. Et je me souviens que à la première écoute de ce morceau, en fait, ça m'a tout de suite plu. Et bon, on avait le 45 tours, voilà. J'étais loin d'imaginer que plus de 40 ans après, j'allais toujours autant apprécier ce morceau et surtout le jouer. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, c'est un morceau de Supermax. On va démarrer tranquillement avec un petit reggae. L'occasion pour moi aussi de m'enregistrer en direct. Thank you.
Chose quand même sur ce morceau, c'est qu'habituellement on le joue à deux avec la formule Sound Spirit. Donc j'en profite pour saluer Laurence. Ce que je te propose, c'est que tu la chantes depuis chez toi et comme tout le monde t'entend, voilà, c'est parfait. Et je vais en profiter aussi pour saluer Lali qui nous a rejoint sur l'aventure Sound Spirit au violon et au sax. Why did you do it?
Message. Vous avez tous votre verre. Alors vous savez comment on dit ? Ageshe Gunkra. Voilà, exactement, ça commence à rentrer. Vous allez voir, au bout du cinquième, ça part tout seul. Alors, il y a qui de connecter ? Séverine, t'es là, Laurence, t'es là. Why did you do it ? Eh oui, j'espère que tu l'as chanté depuis chez toi. Alors, je tiens à préciser qu'il y a un léger décalage au moment où vous m'envoyez le message, au moment où je le reçois. Voilà. Allez, Ageshe Gunkra. Mum, itt vagy? Én tudom, hogy ez a számot nagyon szeretsz. Azért ez csak neked. Sok puszi! Tamara, te is itt vagy? Neked is sok puszi! Petit message privé. En hongrois, vous avez tous reconnu. Comme c'est un des morceaux préférés de ma mère, voilà, c'est une spéciale dédicace pour elle. Et c'est un morceau de Chris Rea. Thank you.
Encore un petit coup. Allez, vous savez comment on dit? Bon, les habitués, je sais, vous savez déjà. Aigeshe Gunkra. Allez, santé à tous. Alors, je vois que ça se connecte petit à petit. Eh ben, c'est cool tout ça. Alors, je vous propose à présent un morceau en français. Et oui, il en faut aussi. Et d'ailleurs, c'est un artiste que j'admire et que j'apprécie énormément. Il m'inspire vraiment beaucoup et il s'agit bien entendu de Mathieu Chédid, Mr. M. Et oui. Et je sais que je ne suis pas le seul à l'aimer, il y a notamment mes amis voisins, donc Stéphane, Émilie, Stéphanie, Thierry, qui sont là, juste à côté, si ça se trouve, ils m'entendent en direct. Voilà, donc j'en profite pour les saluer. Je sais que Bob aussi aime beaucoup, Sandy, Delphine, Laurence, Clélia, et puis plein d'autres. Donc voilà, c'est l'occasion pour saluer tout le monde. Allez, c'est parti. Stéphanie, ah t'es là, eh ouais c'est cool, ok, eh ben j'enchaîne, et non, avant, on dit comment? Aigeshe Gunkra. Ah.
Alors, est-ce que parmi vous, il y a des amateurs de rock and roll? Parce que celle-là, elle est pour vous. Donc, vous allez pouvoir, chez vous, pousser les tables et les chaises pour faire un tout petit peu de place. Au moins vous aurez appris ça en hongrois. Et oui, parce que ma mère est hongroise. Donc voilà. Ceci explique cela. Allez, on va enchaîner sur un autre morceau d'un groupe aussi que j'aime beaucoup et que j'ai découvert pareil tout jeune. Je ne sais pas pourquoi. Cette musique m'a parlé tout de suite. Alors il s'agit bien entendu de Pink Floyd. Voilà. Et au passage, alors je sais que Seb et Hélène adorent aussi ce groupe et notamment ce morceau. Donc voilà, c'est une petite dédicace pour eux, c'est des amis de longue date qui devaient venir me voir au dernier concert avec d'autres potes, mais bah, finalement ça a été annulé. Ce n'est que partie remise. Et bah, par la même occasion, je vais en profiter pour saluer tous les Wheelers et notamment les Wheelers de Bordeaux avec Fred, bien sûr, et tous les poteaux. J'espère que bientôt on pourra ressortir rider un petit peu. Voilà. Je voulais saluer aussi les membres de la salle Desine, Boxing Club Desine. Voilà, eux aussi devaient venir à mon dernier concert. Et puis ça a été aussi annulé. Hein. Une pensée toute particulière à notre coach, Mr. James. Alors j'ai vu tes vidéos passer. Moi, je pense que tu es le seul qui va revenir en pleine forme. Hein, ça, c'est certain. Voilà, qui d'autre? Bah si, bien entendu, les membres du collectif, du mariage d'Héloïse.
Je vous salue tous. On se dit à très vite et à bientôt. Just
des soifs tout ça. Bon, ça va toujours? Vous éclatez? Allez, comme on dit, Ageshi Gunkra. Bon, j'ai pas vraiment le temps de lire vos messages, hein. Je suis désolé, je les lirai plus tard. Je vois que oui, vous vous connectez, je reconnais certaines personnes. Salut en tout cas à tous. Et je me suis dit, tiens, on va se faire un petit slow. Petite version acoustique. Sur ce dernier morceau, et je vais en profiter donc pour vous remercier vous tous d'avoir été présents au rendez-vous, bien sûr. Et ça me fait penser, parce que juste avant j'ai vu qu'en fait ça se connectait d'un peu partout. Alors j'ai repéré la Tunisie, et ouais, le Maroc, j'ai vu l'Angleterre, j'ai vu la Serbie, quoi d'autre, la Suisse je crois. Mais en tout cas voilà, c'est génial parce que finalement on est tous confinés et on a réussi à se retrouver autour d'un événement. Alors moi je trouve ça génial. Et pour tout vous dire, finalement j'y ai pris beaucoup de plaisir à faire ce live. Alors j'espère que bien entendu on se retrouvera très rapidement dans la vraie vie, hein, avec de la chaleur humaine. Voilà, je pense que c'est en bonne voie. On se quitte avec ce morceau de Creedence. Rolling on the river.
Vous trouvez pas qu'il manque quand même quelque chose à part Ageshe Gunkla? Ah oui, voilà, exactement. Alors juste que ça me rappelle des très bons souvenirs. J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Donc voilà, un peu de chaleur humaine, un peu de présence, c'est cool. Et tout d'un coup, je me sentais seul un peu dans mon salon, et là, voilà. Merci. Merci. À bientôt. Bon, l'avantage, c'est que là, je peux le mettre et l'arrêter quand je veux. Voilà. Bon, plus sérieusement, sinon, non, bien sûr que j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver rapidement en live, bien sûr, voilà, c'est ce que je préfère, en fait. Là, il y a un côté un peu virtuel, bizarroïde, mais bon, en même temps, je sais que vous êtes derrière, alors, mais c'est assez space, quoi. Voilà. Et bon, on va passer à la seconde phase. Et oui. Alors, je vais peut-être baisser un peu. Ça, on peut s'entendre. Alors, c'est marrant parce que, en fait, bien entendu, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, c'est l'anniversaire de Lali que je connais aussi, mais c'est aussi l'anniversaire de plein d'autres personnes qui sont nées le 27. Alors, on va essayer de faire un anniversaire global. Et alors, pour l'occasion, j'ai préparé quelque chose. Un superbe gâteau. Eh oui, je me mets à la pâtisserie. Voilà, regardez comme il est magnifique. Alors ce que je vous propose, c'est que vous vous approchiez tous de la caméra et que vous le souffliez ensemble, ok? Alors, parce que j'ai... Regardez-moi ça un peu. Je vais essayer de viser comme il faut là. Voilà. Là on doit être pas mal. Alors on va compter jusqu'à 3 et puis vous allez souffler. Ok? Ah, attention. 1, 2, 3. Oui! Bon anniversaire à tous!
Voilà, c'était le petit délire. Donc j'espère que voilà, vous avez passé aussi un agréable moment. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. La bise. Bye.